Alors bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de TF1 ce soir. Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Avez-vous décidé de vous présenter et donc de briguer un second mandat auprès des Français? Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision? Depuis plusieurs semaines. Pourquoi l'avez-vous prise? Tout le monde était contre. Mais c'est tellement simple. On tourne en rond entre gens qui se connaissent, on parle le même langage et on se met d'accord pour rien ne change. Mais moi, je m'adresse à tous les Français. Je leur dis d'ailleurs ce soir que j'ai besoin d'eux. Vous croyez qu'à 57 ans, je peux apprendre un nouveau métier? Non, non, non. Le président en place a plus de droits que de devoirs. Mais je vais même vous dire, je vais aller plus loin. C'est une décision lourde de sens. Est-ce que vous avez appris des choses de ce quinquennat? Est-ce que vous avez des erreurs que vous ne voulez pas recommettre? Ça, si vous voulez me faire dire qu'on n'a pas tout réussi, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez accéléré le rythme de votre entrée en campagne? Ces 5 ans à porter, à diriger un pays comme la France, je l'ai en horreur. Et par conséquent, on n'a rien à faire avec des personnes qui ne comprennent pas. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'être venu ce soir sur TF1. Vous êtes donc président de la République et candidat à l'élection présidentielle. Demain, c'est François Hollande qui sera ici sur notre plateau pour répondre à votre déclaration de candidature.